أهلا، السلام عليكم. صباح الخير، ما إلي ميديا. أوني أكتوالمون في لابوراتوار تاع البروفيسور بجمعة أغوجيل المدعو مراد. أنا عيطك مراد. الله يبارك. صداقتنا ترجع لحوالي ثلاث سنوات قبل، ثلاث سنوات. جيتك على واحد بتيت بتيت كيستيون ديكسبيرمونتاسيون في لا ريشيرش، فعاونتني بارك الله فيك. الله يبارك. أنت إنسان ما تبخلش على بالي. الله يبارك. رانا في لابوراتوار تاعو. La spécialité de c'est mécanique. Je suis en la faculté des sciences de la matière. C'est l'université de Batna, faculté des sciences de la matière. Vous êtes mécanicien de formation. De formation, énergéticien. Énergéticien. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu sur votre parcours académique et peut-être professionnel? Merci, Barakallahu fik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le parcours Taï, c'est un parcours modeste en fait, de, comme tous les anciens. Ouais. Donc j'ai terminé mon ingénieur en 99, là, jamais à Tabatna, en physique, en mécanique, spécialité énergétique. En bas de Rort, j'ai participé à un concours de magistère fait l'INGM, Institut National du Génie Mécanique à Boumerdas. Elle est connue, hein? Oui, ah oui, exactement. J'ai fait 5 ou 6 mois, je pense, de formation et après je suis parti en France, exactement à l'université de Valenciennes. Valenciennes. J'ai fait mon DUA, c'est le diplôme d'études approfondies en énergétique, là où j'ai terminé donc une année de formation et après je suis parti à l'école supérieure de sciences appliquées pour l'ingénieur à Mulhouse pour faire une formation en développement de logiciels. Ah, ouais. Voilà, c'était une programmation. Ouais, programmation, purement programmation. Et après j'ai fait un stage dans une entreprise à Colmar. Et là, j'ai eu l'occasion de travailler avec des ingénieurs de développeurs de logiciels là-bas. Et j'ai fait une expérience d'une année après le stage. Et ça, c'était en 2000, fin 2003. J'ai commencé ma thèse de doctorat à l'université Paris-Est Créteil. Mmh. D'accord, c'était en décembre 2003. Sur les matériaux composites ou bien les matériaux hétérogènes, quantité thermique énergétique. Ah, okay. Voilà, c'était un travail expérimental, théorique et numérique. Et j'ai soutenu ma thèse donc de doctorat en décembre 2006, donc 3 années après. 3 années. Voilà. Côté expérience professionnelle en France, donc j'ai été ingénieur d'application donc dans une entreprise entre 2002 et 2003, et après un chargé d'enseignement j'ai eu un poste à terre, ça veut dire attaché temporaire de recherche et d'enseignement. Donc à l'université Paris-Est, 2 ans d'expérience. Donc on fait 50% de volume horaire d'un maître de conférence, plus donc un salaire de 75% d'un maître de conférence. C'est pour aider les doctorants à finaliser leur thèse. Surtout, j'avais pas de bourse pour faire ma thèse, etc. Ah, donc, c'est une aide pour les doctorants. Et après, donc en septembre 2007, exactement en 3 septembre 2007, j'ai été recruté à l'université de Batna. Batna, de la faculté des sciences de la matière. Sciences de la matière. Et après votre parcours, bon, maître de conférence, professeur, maintenant vous travaillez dans ce laboratoire. Ouais. Ce laboratoire, il se focalise sur quoi? Votre département. Ouais. Le laboratoire s'appelle donc laboratoire de physique énergétique appliquée, d'accord. Et moi, je suis chef d'équipe à l'intérieur de ce laboratoire, l'équipe 5, énergétique et énergie et développement durable. Donc, dans cette équipe, donc, on travaille sur tout ce qui est énergie renouvelable, sur les matériaux biosourcés, ce qu'on appelle les biosourcés ou bien bio-innovants. C'est quoi ces matériaux? C'est des matériaux naturels qu'on ajoute dans des matériaux de construction pour
pour améliorer ce qu'on appelle la construction verte. Construction verte, voilà, hein, écologique. Exactement. C'est quoi? Donc, je vais parler globalement. J'ai commencé cette thématique vers 2009-2010 à peu près. Mm-hmm. Donc, avec un collègue qui est en France, à l'université Paris-Est. C'est un Algérien, Boudan Abdelrahim. On a commencé à travailler à l'époque sur cette idée parce que les matériaux naturels, leur problème en fait c'est l'abondance dans la nature. D'accord. C'est un avantage. Et pour le bois de palmier d'Athie, pourquoi le bois de palmier d'Athie? Parce que il est renouvelable chaque année. Il y a des palmes à couper dans le palmier. Chaque année il y a toujours le bois de palmier qui se jette dans la nature, et on s'est dit pourquoi pas le valoriser, pourquoi pas valoriser des ressources naturelles algériennes. Voilà. Et surtout, on a des millions et des millions de palmiers qui sont dans le sud algérien. Vous êtes maintenant, on est maintenant, là, vous êtes maintenant dans la partie expérimentation. Exactement. Donc, pour dire les choses donc dans l'ordre, au début on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, j'ai contacté quelques. Entre parenthèses, oui. Sur ce point exactement, puisque je suis de formation architecte. Architecte, oui. Quand je suis parti à l'étranger, au Japon, c'est-à-dire la notion de problématique. Oui. N'est pas tellement, on appelle en anglais research problem. Oui. Research problem, c'est un problème. Parfois, il n'y a même pas un problème. Oui. On se jette comme ça sans parachute et on explore les potentialités ou tout ce qui est potentiellement possible d'un matériau. C'est ce que vous faites pour le moment, une intuition, il y a l'idée. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir un problème avant de. C'est-à-dire, il y a l'abandon, il y a la disponibilité de la matière, alors pourquoi pas étudier le. C'est ça. Ouais. 50% de ma réponse, elle est. Ce que vous avez dit, mais ça c'est le problème entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Nous, ce qu'on fait en Algérie en général, c'est la recherche fondamentale. Donc on s'en fout entre guillemets. De l'application de nos résultats. Alors que la recherche appliquée, c'est quoi? C'est on a un problème à résoudre. Et maintenant, dans le monde entier, pour financer un projet de recherche, etc., on ne finance pas les projets qui n'ont pas une idée derrière, qui est une idée applicable. Applicable derrière. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle, si vous voulez, un autre mot pour la recherche fondamentale, c'est que on essaye de faire la recherche de la paillasse, ce qu'on appelle la recherche de la paillasse. Maintenant, pour financer une recherche, il faut avoir un projet, une problématique, il faut avoir un problème pluridisciplinaire. Et d'ailleurs, au début, j'ai contacté des gens du génie civil, comme Monsieur Rabdi Abdelkader, par exemple. Mon enseignant. Oui. Mes salutations pour lui. C'est un collaborateur depuis extant. Parce que nous, on travaille sur des matériaux de construction, alors que on n'est pas des spécialistes du génie civil. Ouais. Voilà. Donc, au début, c'était ça. On a l'idée derrière, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Les étapes viennent après. Et au début, on a compris que pour commercialiser un autre jour, par exemple, donc le matériau, il faut qu'il passe par trois étapes. Première étape, c'est l'échelle matériau, l'échelle mur et après l'échelle bâtiment. Un matériau mur, c'est construction puis bâtiment. Puis bâtiment. À l'échelle matériau, donc là, on caractérise proprement dit le matériau. Ça veut dire, on le caractérise en termes de
propriétés thermiques, mécaniques, hydriques, physiques, etc. Donc la matière première, c'est le stock de le bois de palmier dattier. Normalement, c'est un bois de palmier donc broyé. Il y a la granulométrie. D'accord. Donc pour nous, le bois de palmier dattier. Broyé. Dattier. C'est le DPC. D'accord. L'approche d'Anna, c'est une approche industrielle. Donc, on ne fait pas la distinction entre la grappe, la palme, etc. Donc, on broie tout, d'accord. On a un matériau broyé et on bête. On fait un mélange avec un mortier. Donc, le mortier, voilà, avec le ciment. Donc, on naqsoum la quantité de voilà, des éprouvettes à dos. Naqsoum le gravier, d'accord. On en fait place un rejet. Le bois de palmier daté. On a plusieurs début classe, donc les concentrations, il y a des pourcents de. Gravier, dans la composante. Oui, qui a la composante. Il peut être porteur ou là, non bon. Il peut mélanger avec le béton, avec l'acier, est-ce qu'il peut être porteur ou là, non? Avec les études qu'on a faites, donc le matériau interna, il rentre dans le cas d'un matériau qui n'est pas porteur, donc il est isolant. Ah, c'est les murs. Ah, voilà, exactement. Donc il faut mettre une ossature avec les murs, etc. Donc il y a plusieurs concentrations, 10%, 5%, etc. La meilleure concentration de Guinée, il y a à peu près 15%. 15%. Voilà. 10%, oui, de fibres de bois de palmier. La meilleure, dis-toi 15%. 15%. La meilleure en matière de résistance. Résistance. À la compression. La compression, les propriétés thermophysiques. Bête ou l'INA. On étudie les propriétés Y. Avant de commencer cette vidéo, vous m'avez parlé de 33 échelles de l'étude. Voilà, c'est ça. Donc, l'étude pour commercialiser après donc, un matériau, il faut qu'il passe avec trois échelles. L'échelle matériau. Donc à cette échelle-là, donc on caractérise le matériau interne en termes de thermique, mécanique, hydrique, etc. Il y a des propriétés à mesurer comme la conductivité thermique, la perméabilité à la vapeur d'eau. Et il y a l'absorption, désorption parce que c'est des matériaux naturels, donc ils sont hygroscopiques, etc. Et une fois en kemelo, une photo, ce qu'on appelle échelle mur. Échelle mur, on construit le mur qui est là. Oui, ça c'est un malaxeur juste pour préparer la matière première. On construit le mur qui maintenant on a opté pour un mur avec le parpaing. Ça c'est l'étuve. L'étuve c'est pour varier la température. La température. Ce qui est bien, si on a les moyens, on peut donc acquérir donc une enceinte climatique. Une enceinte climatique, là on varie la température et l'humidité. D'accord. Et l'humidité. Pourquoi la variation de ces paramètres? Parce que on essaye de simuler la réalité, donc le climat interne et externe. Donc, on a le climat dans le labo, c'est comme le climat externe, et à l'intérieur, c'est le climat interne, ou bien le contraire. On varie à l'intérieur donc la température et l'humidité. On a ici un fluomètre, donc des capteurs de température et d'humidité. Un fluomètre, oui. Donc c'est pour mesurer le flux de chaleur. Donc il y a un fluomètre là, un autre fluomètre à l'intérieur. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ou là, c'est des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur de mur et à l'intérieur de l'enceinte. À partir de ces données-là, donc on va essayer tracer l'évolution de la température et l'humidité à l'intérieur du mur. Ouais. Oui, on travaille avec le moyen du bord, donc on n'a pas une enceinte climatique pour varier la température, l'humidité, donc on a utilisé les solutions. Des solutions, chaque solution donc donne une valeur d'un tel humidité. On bat, il y a tout un programme à faire pour varier à chaque fois le. Ça c'est l'échelle mur. Ça c'est l'acquisition. Ça c'est l'acquisition. L'acquisition elle est. Je pense encore, je sais pas où est-ce qu'elle est. Donc c'est voilà. Non. Non, c'est pas une carte, c'est une carte qui vient avec le fluomètre. Donc ici, on a l'acquisition de la température et le fluomètre. Ah, okay. Et l'humidité. Okay. D'accord. C'est les doctorants qui travaillent là-dessus. Ok.
Donc il y a déjà des mesures qui sont en cours. Et après, on passe donc à l'échelle bâtiment. Voilà, tout à l'heure, oui. Exactement, voilà. Ici, il y a des éprouvettes, hein, battre avec le... Oui, ici, c'est d'autres, parce que au début de notre projet global, on a opté pour donc plusieurs types de matériaux. Donc, le ciment avec le bois de palmier, le gypse avec le bois de palmier et le bois de palmier seul. Et après, on va essayer de trouver donc la solution optimale pour l'isolation thermique. Bon, peut-être ça peut marcher pour un panneau sandwich. Voilà, panneau sandwich. Quel type de colle C'est une colle commerciale. Je ne me rappelle pas de la colle, mais c'est une colle commerciale là, pour le bois. Pour le bois, hein. C'est juste pour le mettre, pour le compacter. Ni plus ni moins. Même la conductivité interne, c'est même pas très cher, parce que la quantité, elle est très, très minimale. C'est à base de, du bois de palmier, oui. Ouais, exactement. Maintenant, à chaque fois, on essaye d'intégrer, donc on va essayer d'utiliser le parpaing, les panneaux sandwich, on va essayer de faire même des plaques plâtre avec le bois de palmier, etc. Et on va essayer de trouver la solution optimale pour l'isolation de la maison thermique. Exact, thermique hydrique. Hydrique, oui. Même acoustique, on a fait quelques mesures acoustiques, mais on n'a pas fait des mesures poussées parce que c'est pas notre spécialité, mais il a une bonne isolation acoustique. Ouais. Une fois le matériau est connu, là on passe à la construction d'un mur, d'accord, à l'échelle. Un modèle de mur. Voilà, un modèle, mais à l'échelle laboratoire. Mmh. En utilisant une enceinte climatique. L'échelle 1 sur 1. Voilà, c'est ça. Mmh. Et pourquoi ? Parce que, pour avoir l'évolution de la température et de l'humidité à travers le mur, quand on modifie la construction de ce mur-là. Donc, en ajoutant le poids de palmier. Voilà. Et une fois on maîtrise ce genre de points, on passe à l'échelle bâtiment, bien à l'échelle réelle ou bien in situ, ce qu'on a montré la dernière fois. Donc, chez Bamblat, voilà. Les deux chambres modèles. Voilà, deux cellules, donc une cellule témoin. D'accord, c'est la construction conventionnelle avec conventionnelle, voilà. Et une deuxième, là, on essaye d'intégrer notre matériau sous plusieurs formes. Donc, comme j'ai dit, la troisième étape dans le projet Tana, il y a l'échelle bâtiment. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on a l'échelle matériaux. Là, on caractérise le matériau Tana, donc du point de vue hydrique, thermique et mécanique. On met l'échelle mur. Donc là, il y a d'autres. C'est l'étude de l'évolution de la température à l'intérieur de mur, c'est l'évolution dynamique. Ou là, la troisième étape, c'est à l'échelle matériau, à l'échelle bâtiment plutôt. Là, on a deux cellules. Donc il y a la cellule témoin. Ça, c'est la cellule témoin. Donc c'est la construction conventionnelle. Le brique rouge. La brique rouge, oui. Normal. Ah, normal, il n'y a pas de souci. Donc avec une lame d'air à l'intérieur. C'est la construction conventionnelle. C'est pas le matériau que vous... Non. C'est le témoin. Témoin. Et ici, donc, ça sera à la chambre, là où donc, on insère le bois de palmier interne, c'est la lame d'air. C'est la brique à bois de palmier. C'est la même chose. Non. C'est, elle est construite avec les matériaux de construction conventionnels, mais on a ajouté le bois de palmier juste dans la lame d'air. C'est tout, d'accord. Il y a les deux parois en briques rouges. Oui. Briques rouges creuses. Oui. Vous l'intérieur, la lampadaire de 5 cm, 5 cm. Exact. 5 cm, oui. Elle est pleine de... De bois de palmier dattier en première partie. Après, on va essayer de... Après, donc, tout est une étude de l'évolution de la température, de l'humidité à l'intérieur, le mur. Et on va étudier aussi le confort thermique hydrique à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, on va essayer de changer les murs avec d'autres produits du bois de palmier daté. Parce qu'il y a d'autres produits. On peut faire du parpaing, on peut faire des panneaux en bois de palmier, on peut faire juste l'isolation à l'intérieur, etc. Il y a plusieurs solutions. Juste une question de faisabilité, de l'expérimentation.
expérimentation. Ouais. Vous avez construit le mur avec une lander, la lander pleine de bois de palmier. Mortier, bois de palmier. Non, non, bois de palmier seul. Ouais. Et puis vous allez tout démolir. Exactement. Voilà. Donc pour voir le produit le plus performant pour notre région, par exemple. C'est une expérimentation à échelle réelle. À l'échelle réelle, et c'est tué. Ouais. Bon, ça c'est le site, c'est l'entreprise Bambalat. Bambalat. Donc ça c'est Bambalat. Donc l'entreprise ou le groupe Bambalat, c'est le partenaire socio-économique de notre projet PNR, projet national de recherche. Le titre du projet, donc j'ai oublié exactement, mais c'est la construction donc à base de bois de palmier daté. Mais je vais vous donner après le trait exact. Ouais. De ouais. Merci. Avec ça. La première forme qu'on va utiliser, c'est dans la lander. Après, on va essayer d'utiliser le parpaing, peut-être les panneaux sandwich, peut-être, je ne sais pas, il y a d'autres solutions. Parfois, ça peut entrer même le crépissage. Ça oui, exactement. Une couche, peut-être ouais. Un centimètre. Peut-être. Oui. On a pensé à ça. De côté acoustique, exactement. Et notre matériau, donc, avec les publications qu'on a fait, etc., etc., c'est un matériau qui présente plusieurs avantages en termes thermiques, hydriques, acoustiques. Donc, c'est un matériau naturel, abondant en Algérie, et il peut être valorisé, pourquoi pas. Et pour les, par exemple, je ne sais pas, pour les essais que vous avez fait concernant l'isolation, ouais. Par exemple, quels sont un aperçu sur les résultats obtenus comparant à la lander, par exemple. Ouais. Ce que je peux vous dire, général, oui, en général, on a valorisé donc le matériau Tana en termes de consommation énergétique, d'accord. Consommation énergétique à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, mais d'une manière donc numériquement, parce que numériquement parlant, bien sûr. Voilà, parce que l'expérimental n'est déjà en cours, voilà. Donc, la consommation énergétique, je peux... Oui, prenez votre temps. Voilà. Donc, d'après les études qu'on a fait jusqu'à maintenant, le matériau Tana, il est capable de réduire la consommation énergétique résidentielle de 50% dans le climat humide. D'accord. Donc, par exemple, dans le nord, 28% dans le climat semi-aride. D'accord, comme notre climat à Batna, par exemple. Et jusqu'à 9% dans le climat sec. Sec. D'accord, comme le désert. Ça, c'est vraiment très important. C'est un matériau naturel. 50% de consommation énergétique, ça veut dire 50% de la facture de l'électricité et du gaz. Hein. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et question de... Pour, comme vous avez expliqué il y a quelques minutes. Oui. Pour la simulation de puisque l'appareil que vous avez fait, c'est l'étuve. Ouais. L'étuve, ça ne peut pas simuler tout ce qui est humidité relative. Ben, pas simuler, elle ne peut pas créer. Créer les ouais. conditions d'expérimentation ouais. pour mesurer l'humidité relative. Ouais. Et en utilisant les acides, un acide. Ouais. Pouvez-vous décrire un peu le processus? Oui, normalement, si on a des moyens, normalement, on doit acquérir donc une enceinte climatique. L'enceinte climatique, elle est là pour nous donner donc un climat en variant la température, l'humidité. Et il y a même des enceintes qui varient même la pression. Ça coûte cher, voilà. Donc, et puisque nous, donc, on n'a pas assez de moyens, donc on a utilisé une étuve. L'étuve, donc, elle varie donc la température à l'intérieur. Et pour varier l'humidité, on a utilisé des solutions chimiques. L'humidité relative. Donc on a des exemples. On n'a pas encore. Ici, c'est des exemples. Il y a donc quelques solutions qui m'a un ACL qui nous donne une humidité jusqu'à 75%, le cas de CO3 jusqu'à 43%. Il y a d'autres aussi solutions, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Voilà, il y a le LACL là, c'est 10% de humidité relative. D'accord. Il y a plusieurs solutions. Donc, on essaye d'utiliser les solutions à la place de l'enceinte climatique pour varier l'humidité de l'enceinte. Voilà. Et chaque solution, donc, elle donne une certaine valeur de l'humidité.
ce qu'on va faire, donc on commence par exemple l'évolution par, ou bien le test avec une humidité très très élevée, par exemple 90%, etc. Et après, à un moment donné, donc l'humidité, elle va baisser. Et le cycle interna, donc on utilise, on injecte à chaque fois des solutions, ou bien on enlève une solution de l'étuve. Donc on supprime une solution ou bien on ajoute une solution. Et pour, par exemple, étudier l'effet sur le matériau, en matière de moisissure ou bien de matière de quoi? Oui, donc l'étude de, ça s'appelle la dégradation. Voilà. La dégradation, il y a toute une étude qui a été faite avec un autre doctorant. Donc, tout ce qui est dégradation et durabilité, d'accord? On a fait, tous les tests normalisés pour étudier un matériau naturel. Les matériaux naturels, le problème c'est ça, c'est l'hygroscopicité. Donc ils sont hygroscopes, ils absorbent de l'eau, etc. Mais pour notre matériau, il reste dans les limites acceptables. Bon, j'ai des publications pour, je n'ai pas ici, donc, mais on peut vous montrer peut-être dans la suite de l'interview pour parler des caractéristiques du matériau en termes de durabilité et de dégradation. En matière si on peut utiliser le terme généalogie, ouais. La famille des les bananiers, ouais. Et les palmiers du désert, ce sont de la même famille, je pense, non? Là, je sais pas, franchement. Ouais. Vu l'apparence, quoi, la forme. Par exemple, un bananier, bah, c'est beaucoup plus généralement tout ce qui est région équatoriale, ouais. Tout ce qui est île, ouais. Et sur la côte. Ouais. C'est-à-dire son hygrométrie et ma caractéristique hygrométrique sont peut-être il faut une autre étude. Ah, il y a des gens qui font des études sur les bananiers, sur beaucoup de d'arbres, mais le point commun entre eux, c'est l'hygroscopicité. Les matériaux naturels, ils sont hygroscopiques. Peut-être il y a une petite différence entre l'un et l'autre, mais ils sont hygroscopiques. De nature, quoi. Voilà, parce que c'est des matériaux naturels. Et c'est pour ça qu'on ajoute des fois des adjuvants pour minimiser la propriété des matériaux naturels. Et comme Lyon, vous avez utilisé seulement le ciment. Le ciment, oui. J'ai vu quelques essais avec le plâtre. Ouais. La chaux, non. Non, la chaux, non. Bon, c'est des études qui vont. Ça va voilà, c'est dans la suite, oui. Par exemple, pour ma part, si j'aurais à construire une maison, je n'hésiterais pas une seconde. Ouais. À utiliser votre matériau, puisque j'y crois, puisque par intuition, je comprends, sans études, je fais confiance à ça. Question de faisabilité sur chantier, pour le malaxage, est-ce que c'est facile à maçon, est-ce qu'il y a des conditions? Pour parler de ça, je pense qu'il faut parler un petit peu de ce qu'on appelle le béton de chanvre. En France, on utilise ce qu'on appelle le béton de chanvre et il est commercialisé. Alors que le chanvre, c'est quoi? Le chanvre, c'est en quelque sorte, c'est un cannabis. Hein. C'est du cannabis. Là, oui. Sa culture, elle est vraiment contrôlée, etc. Ouais. Mais ils ont réussi à faire un béton de chanvre qui est utilisé dans la construction. Notre idée, c'est quoi? Pourquoi pas faire la même chose? Béton de chanvre, on a le béton de bois de palmier. C'est vrai, tu me dis peut-être, est-ce que c'est faisable maintenant, etc. etc. Les matériaux, n'importe quel matériau, pour qu'il soit commercialisé, entre l'idée et la commercialisation, ça prend 20 ans, 25 ans. 20 ans, oui. D'accord. Donc l'idée, il faut qu'il soit... Donc commercialisé, donc il faut du temps. 20 ans en Europe. Voilà. Pour nous peut-être un peu plus. Là, peut-être c'est plus facile ici, non? Non. Les constructions. Ah oui. Faites des constructions individuelles, privées. Ça, vous êtes libre de faire ce que vous d'utiliser ce que vous voulez. Oui. Radioactif, je ne sais pas. Mais dans les projets étatiques, vraiment, c'est très compliqué. Parce que pour avoir un litière, ou un DTU, ça, chacun comprend les fiches de normalité. Il faut vraiment faire. Et ça traîne ici. Et c'est pour ça, nous, par exemple, maintenant, donc, on essaye de. On a pris beaucoup de temps pour caractériser le matériau. Trois échelles. Il y a quelques mois, je pense durant.
mois de mai, je pense. Ouais. Là, mois de mai, fin mois de mai, il y avait le Batimatec, ouais, le salon Batimatec, national des matériaux, ouais, je pense. Et j'ai visité, j'ai vu vraiment, j'étais surpris. C'est-à-dire, il y a plein de sociétés, de matériaux, mais l'utilisation de ces matériaux dans les projets qu'on voit, ouais, chaque jour, ouais, elle est très limitée. Ouais. J'ai posé la question, je pense que c'est une société, un agent commercial d'une société qui, sur le, tout ce qui est peinture étanche, des toitures, des... Ouais. Pourquoi on n'utilise pas ces matériaux d'étanchéité, qu'on a vu par exemple la terrasse de la construction. Il m'a dit que généralement, dernièrement, on demande des fiches techniques sur le marché. Ah oui. Vous avez proposé ce matériau, mais ce n'est pas des fiches techniques, des fiches de... Des documents techniques réglementaires. Réglementaires, il est accepté sur le marché algérien. Voilà. Et ça, bon, dans certains projets, on ne demande pas ça, ça peut marcher. Dans des projets, certains projets suivant le maître d'ouvrage, eh ben, on demande ça et on est obligé d'utiliser les moyens traditionnels, entre parenthèses. Ouais. Et nous, par exemple, pour notre matériau, si on peut pas le valider en in situ, donc dans un bâtiment réel pendant une année, deux années, avec le climat réel, etc. Pour proposer donc un projet avec le crénier RIB pour avoir ce document, il faut du temps. Il faut du temps. Ouais. Et question, ça se comprend. Pour un changement, il faut toujours du temps. Ouais. Mais pour ma part, je pense que si le client est une personne engagée, je me considère comme une personne engagée, je n'hésiterai même pas une seconde je n'hésiterai pas à utiliser ce matériel. Ouais. Question aussi de prix, d'unité, de briques ou bien. Je pense que c'est moins cher que. On n'utilise pas le gravier. Oui, nous, on n'a pas fait encore, parce que l'étude n'est pas faite encore jusqu'à la fin, donc l'étude économique, etc. Je ne pense pas qu'il y aurait une grande différence de prix, peut-être même moi, je ne sais pas. Mais pour toute une étude. Je pense, le gravier, c'est Chal, mais maintenant, ça passe combien je ne sais pas. Par camion, par. Il faut faire une étude de A à Z, donc dès la collecte de bois de palmier, parce que au début, comme je dis, en 2010, le bois de palmier est gratuit. Donc, gratuit, maintenant, et maintenant, on achète. On achète combien La dernière fois, on a acheté donc une palme à 10 dinars. 10 dinars. Pour une seule palme. Une seule. Ouais. C'est pas vraiment très, très, très cher, mais quand même, ça voilà, va. Voilà, des palmes, des dénars à une seule palme, plus le transport, plus le broyage, et après, donc il y a le. Mais pour faire, d'ailleurs, pour nous, dans le dernier projet, c'est un projet bilatéral, donc avec notre collègue donc, à Paris-Est. C'est un projet TACD, c'est ça? Un projet TACD, donc c'est un PHC TACD, donc c'est un projet bilatéral entre l'Algérie et la France. Ça s'appelle des éco-matériaux à haute efficacité énergétique pour l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Du démonstrateur, ce qu'on fait, ce qu'on a montré tout à l'heure, à la création de start-up. Notre objectif maintenant, c'est notre rêve, c'est de voir notre matériau dans le commerce, comme donc le parpaing, comme les matériaux de construction, etc. Et nous, d'ailleurs, nous, on a utilisé dans notre approche dès le début ce qu'on appelle le TRL. Le TRL, c'est une échelle, une échelle de maturation d'un projet qui a été utilisé aux États-Unis. C'est une échelle qui commence de TRL 1 jusqu'à TRL 9. C'est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie pour un produit, un nouveau produit. Ah. D'accord. Donc, c'est des échelles qui commencent de 1 jusqu'à 9. Ah, 9. Okay. Le 9, échelle 1, voilà. Échelle 1, c'est une. C'est l'idée, en fait. C'est l'émergence de l'idée. Et TRL 9, ça veut dire la commercialisation. Ouais, il est prêt, il est accepté, voilà. Exact. Ça, TRL, c'est Technology Readiness Level. Exactement. TRL. Ah. Voilà. J'ai une autre question. Puisque tout ce qui est. Moi, juste, puisque je demande des informations de votre part, ce qu'on appelle. C'est un truc à la mode, les gens parlent de nanotechnologie. Je sais qu'en Algérie, c'est à l'échelle de la simulation.
C'est quoi pour les matériaux, c'est-à-dire est-ce que pour votre cas, est-ce que elle est nécessaire, non? C'est faisable, non? Jusqu'à maintenant, donc dans notre domaine, donc la nanotechnologie, ça existe partout de toute façon, ça existe partout. Et mais je pense c'est à l'échelle laboratoire. Laboratoire. En Algérie ou là partout? En général. J'ai un collègue qui est en France, qui travaille comme directeur de recherche, qui travaille un petit peu sur les nanos, mais à l'échelle laboratoire. Donc on reste toujours dans les essais, etc. de laboratoire. Maintenant, dans d'autres domaines, je ne sais pas, franchement. Domaine des matériaux, ouais. Si vous voulez dire. Et il y a presque un mois, j'ai fait une interview avec, je le considère comme un ami très cher, on s'est rencontrés seulement une fois en rang, c'est M. Abdelhamid Sebarbi, qui vraiment, il a un certain génie des matériaux. Ouais. Il ne travaille pas seulement avec le béton, avec le bois, la pierre, la chaux. Il maîtrise, à ma connaissance, parce que j'ai senti ça, j'ai vu ça, tout ce qui est matériaux. Il m'a dit qu'en matière d'isolation, il évite d'utiliser certains matériaux à base chimique. Par exemple, le polystyrène, les boîtes de polystyrène et tout, puisque ça dégage des gaz toxiques avec le temps, cancérigène, peut-être en cas d'incendie. Bon, c'est naturel, par exemple, pour votre matériau, c'est le bois de palmier. Et en cas de, par exemple, si on utilise comme dans le cas des incendies, c'est d'utiliser comme pain au sandwich. Il n'y a pas ce risque? Si, il y a ce risque-là. Et c'est une étude qui a été prévue dans l'avenir pour étudier donc la résistance au feu. Résistance au feu. Ça sera fait, en fait, donc, peut-être d'ici la fin de thèse de la doctorante. Vous avez tout prévu. On a tout un programme. Donc, mais le problème en Algérie, c'est ça. Donc, on n'a pas assez de doctorants. Donc, on travaille en fonction des moyens qu'on a. Donc, c'est parce qu'il y a des choses que les doctorants doivent le faire. Parce que c'est l'objectif de ces projets-là, c'est quoi? C'est valoriser des ressources naturelles, donc avoir une idée technologique, évoluer donc le niveau de maturité de cette idée. En même temps, il y a le côté formation, donc on forme des doctorants. D'accord. Donc, on ne peut pas faire tout d'un seul coup. Donc, il faut aller étape par étape. Vous avez posé une question, de recherche. On sait tous qu'en Occident, même au Japon, les gens ne sont pas intéressés à faire des doctorats. Il y a peu de doctorants qui peuvent. C'est pour ça qu'on trouve des bourses pour les non, pour les étrangers, pour faire des recherches de doctorat. Et en Algérie, puisqu'on fait des concours, on reste des concours, et les gens cherchent à faire du doctorat pour acquérir un poste à l'université, parce que c'est assurance vie, quoi. Mais vous avez dit qu'il y a manque, vous n'avez pas assez de doctorants. Dans le sens où, pour réaliser un travail, avec les contraintes qu'on a, donc un doctorant, par exemple, pour faire des essais expérimentaux, convenablement, etc., etc., tu ne peux pas les faire ici en Algérie. Donc, à chaque fois, il faut créer un projet. Donc, il faut envoyer un étudiant à l'étranger. Il faut se familiariser avec le système là-bas. L'expérimental. Voilà, c'est très difficile. Et nous, donc, on ne peut pas faire un travail juste théorique ou numérique. Il faut valider avec un travail expérimental. Donc, ça prend du temps. Donc, à travailler avec un doctorant, ça prend du temps. Et nous, avec la fonction d'enseignant chercheur, tu ne peux pas faire tout. On ne peut pas tout faire. Avec l'âge, avec les responsabilités, on ne peut pas tout faire. Exactement. Et ça me mène aussi à une autre question. Vous avez plus d'expérience que moi en matière de recherche en Algérie. Est-il possible de faire de la bonne recherche expérimentale en Algérie? Est-il possible? C'est très difficile. C'est très difficile parce que pour faire un travail expérimental, il faut acquérir du matériel au bon moment. D'accord? Parce que des fois, on fait des projets. Donc, dans le projet, il y a un budget d'équipement ou bien de fonctionnement pour acquérir soit un petit matériel ou un matériel robuste. Donc, le temps
qui s'écoule entre le commencement du projet et l'acquisition du matériel, ça prend des fois une année, deux années, etc. Ça prend du temps en Algérie. Et là, on peut pas faire le travail demandé dans le temps donc consacré au projet. Consacré au projet. Voilà. D'accord. Donc en général, il faut acquérir du matériel peut-être d'une manière. Donc, en général, par exemple, avec le biais de l'université, peut-être, il faut créer des halls technologiques avec tout le matériel. Et pour le sponsor, est-ce qu'il peut financer certains outils de... Exactement. Par exemple, dans mon cas, dans le cas du projet PNR, projet national de recherche, et pour le projet TACD, on a un partenaire socio-économique qui est le groupe Bamblat Hamed, je remercie beaucoup parce qu'il nous a aidé beaucoup. Il nous a aidé pour l'acquisition du bois de palmier, le transport, le broyage. Il nous a même acheté un broyeur. C'est-à-dire, il est prêt vraiment à financer de la recherche. Exactement. Il nous a construit deux cellules. Voilà. Deux cellules ses propres moyens. Donc il y a des gens qui sont tactiles à ce genre de sollicitation des académiciens, mais c'est très peu. Et puisque je sais que parfois parmi les astuces, maintenant c'est le sport, ça existe, c'est le sponsor. Le sponsoring, quoi, c'est en Algérie, si je pense parfois c'est le privé. Peut, à un certain degré, financer certaines, par exemple, financer l'obtention d'un matériel d'analyse et tout. Parce qu'on n'a pas de contraintes réglementaires. Ah oui, oui, c'est le contraint. C'est lui le chef et ses propres moyens, il fait ce qu'il veut. Ah oui. Mais donc l'université, il y a des contraintes. Puisque les procédures administratives, tout en ce qui concerne surtout financières. La procédure de tout ce qui est financier, c'est très compliqué. C'est très compliqué, voilà. Parfois, c'est bien pour contrôler un peu l'argent qui circule, mais parfois, souvent, ça bloque un peu le. Exactement. Et la recherche, c'est question de temps. Tout le monde, donc, se dirige vers la simulation, parce que c'est très simple. Tout ce qui est fondamental, parce qu'on n'a pas des comptes à rendre, par exemple, pour la réalisation du projet, etc. Mais voilà, et c'est justifié. Ça sera un début de rencontre. Je vais essayer de le suivre dans ses recherches et faire des vidéos, Inch'Allah. Et à Texa. C'était un plaisir, un honneur. Merci beaucoup, moi aussi, c'est un plaisir. Inch'Allah, on se verra un autre jour, Inch'Allah. Merci. Choukran. Bye bye. Salam alaikum.